Belle affiche entre Lille 4ème et le Paris Saint-Germain, le leader du championnat. Le PSG sort d'un match nul, un but partout à Dortmund en Ligue des Champions. Paris qualifié pour les 8e de finale de la compétition européenne. Les Parisiens qui restent impressionnants en championnat, 8 victoires de suite. Dembélé, Barcola et Mbappé sont notamment titulaires. Donnarumma suspendu, toujours remplacé par Arnaud Tenias dans le but. Lille a également réussi un bon parcours européen. Victoire 3-0 contre Klaksvik en semaine. Qualifié pour les 8e de finale de l'Europa Conference League. Les Lillois restent sur 9 matchs sans défaite en Ligue 1 Uber Eats. 5 victoires et 4 nuls. Gomez, Zegrova et Yazici sont titulaires. La première action est lilloise avec Zegrova. Le tir juste à côté. Bonne possibilité pour le LOSC d'entrée de jeu dans ce match. Et ça manque encore d'efficacité et d'un peu plus de précision pour faire la différence. La réponse parisienne est attendue. La voici avec cette balle dans la surface. Et c'est sauvé par Chevalier. Le tir de Vitinha était bien parti. Mais directement sur le gardien lillois. Personne n'arrive à faire la différence. Et c'est le cas jusqu'à la mi-temps. 0-0 à la pause. Il y a forcément de la fatigue due au match européen en semaine. Mais ça accélère tout de même en seconde période. Les Parisiens veulent faire la différence. Ils n'ont pas eu assez d'occasions. Peut-être une ici avec la balle dans la surface pour Barcola. Puis cet accrochage sur Lucas Hernandez. Pénalty pour le Paris Saint-Germain juste après l'heure de jeu. Diakité se jette et accroche le défenseur de l'équipe de France. Une chance pour Paris de marquer le premier but du match. 66e minute. Kylian Mbappé ne laisse pas passer sa chance. 16e but de la saison pour le meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats. Et le Paris Saint-Germain mène 1-0. Lille repart donc de l'avant pour essayer de revenir. Les Lillois se battent jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce match. Ils pressent, ils récupèrent des ballons, ils tentent. Jusqu'à ce but de Jonathan David, arraché dans le temps additionnel. 3 minutes après le début du temps additionnel. Et Lille réussit à égaliser un partout, le 5e but cette saison pour l'international canadien. Le PSG tenait, avait repoussé plusieurs attaques jusqu'à céder sur celle-ci. Jonathan David a bien suivi et permet à son équipe de prendre un point, un but partout entre Lille et le PSG.